Mesdames et messieurs, chers membres citins, chers membres citaines, bonjour. Donc, comme chaque vendredi, je me rends donc sur le chantier de la mairie pour une réunion de chantier. Et me vient aujourd'hui l'idée de vous présenter les travaux qui vont avoir lieu maintenant encore à peu près pour une grosse année. Voilà ici dans l'ancienne entrée de la mairie qui se trouve dans un bâtiment qui sera détruit. Je dirais à compter de mi-mars. Donc mi-mars, cette partie avant du bâtiment va tomber. Nous sommes ici dans l'ancien restaurant que les anciens Vambrecitains ont pu connaître. Ancien restaurant qui est devenu la salle des réceptions. Et puis ici à ma droite, nous avons l'ancienne cuisine et ces deux salles aujourd'hui qui sont en travaux. Vous avez vu, elles ont été curées comme le bâtiment avant, mais ces deux salles vont devenir par le futur des salles de réunion et aussi ici une salle de réception. Alors vous vous souvenez, je vous avais dit en conseil municipal, hein, il y avait trois objectifs à la rénovation de la mairie: la lisibilité, les conditions de travail de nos agents et conditions de travail, vous voyez, qui n'étaient plus forcément assurées puisque le bâtiment à certains endroits fuyait. Donc ici on peut constater au plafond donc un niveau d'humidité qui était assez élevé, et niveau d'humidité, donc on peut regarder ici il y a les coulures sur le mur, donc ce bâtiment méritait vraiment vraiment une rénovation. Alors donc ici dans les escaliers donc qui nous permettaient de monter à l'époque à mon bureau, au service urbanisme, au service culture, voilà, donc cet escalier permettra toujours d'accéder au bureau et au cabinet du maire, et puis à certains services comme le service du pôle ressources, voilà, donc dans cette partie du bâtiment qui sera détruite, là où il y avait mon bureau, là-bas au fond, vous pouvez voir que les travaux avancent, voilà, tout est tombé, donc maintenant on a une vue trop ouverte sur les extérieurs de Vambrecy, la rue du Général Leclerc là-bas à ma droite, et puis dans le fond vous pouvez voir la salle des fêtes et la rue des écoles. Allez, voilà maintenant le moment de quitter la réunion de chantier et le chantier. Je reviendrai régulièrement hein, pour vous faire un petit état des lieux des travaux, et me vient maintenant le moment d'aller retrouver mon bureau dans notre mairie provisoire qui se trouve, je vous le rappelle, au Château Rouge, avenue des Châteaux, à Vambrecy. À bientôt.